Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Ravi de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément de lundi au vendredi de 4h à 6h p.m. sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Ce 21 décembre 2020 représente une date importante pour les astrologues et astronautes du monde entier en raison du fait que les planètes Jupiter et Saturne vont s'aligner dans le ciel nocturne pour créer la première étoile de Noël depuis près de 800 ans. Alors, pour décrypter ce phénomène astrologique et de bien d'autres encore, le franc-maçon et kabbaliste, alors il est aussi astrologue, Marc-Arthur Drouillard, notre invité une nouvelle fois ce soir à Blocus. Alors, bonsoir astrologiquement, Marc-Arthur Drouillard, bienvenue à Blocus, véritable Pascal d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bon, bonsoir et me saluer tous tes fanatiques Blocusio. Et Jean-Saudil Lambier-Richard, je crois que je dis un ciel là en l'autre gens. Et que dans le contexte, ça, que bénédiction ciel là sur tout le peuple haïtien, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, partout que vous êtes, que bénédiction ciel là, parce que si on ne pas bail, on ne va pas joindre. Ça veut dire que même dans la tradition, nous respectons le principe en haut. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible pour dire nous dans Job 38. Côté que yo dit que Dieu a questionné Job pour lui dire connais-tu les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque. Ça veut dire que nous connaissons et nous toujours dit si en haut pas bail en bas pas joindre. Je dis en haut en janvier et en fonction d'en haut en janvier l'a dit comment nous même nous ca agir, qui ça nous ca fait. Et comment le monde là et qui s'est annoncé par rapport à changement. Je dis, c'est 21 décembre, il marque début en solstice, qui c'est solstice d'hiver là. Ok? Nous connaissons que et sphère là est divisé en 4 et que et même par rapport avec saison yo et que gagne solstice et gagne équinoxe. Il y a solstice d'été et solstice d'hiver, il y a équinoxe de printemps et équinoxe d'automne. Jodian marqué une phase dans changement saison et li marqué début tout un renouvellement pour planète Terre. Ça veut dire que li gagne un jour sa entité qui marche avec elle, li gagne un sens d'orientation qui lié avec elle et en fonction de loi correspondance. Ça pral permettre on initié ou bien on mystique avisé qu'on est qui importance joujodien li gagnent pour l'humanité. Alignement des planètes, comment a fait la visible ou bien invisible pour yo okay. Pendant sous la terre là est-ce map ka wè planètes qui pas aligné ou parler de un phénomène qui vraiment intéressant et qui vient coïncider avec date ça qui marquait début en saison. C'est assez intéressant, assez important. Dans notre système solaire, nous jusqu'à présent connaît 9 planètes. C'est-à-dire un petit peu méthodologique en tant que un professeur, un enseignant de astronomie, astrologie et de sciences occultes et de cabale en même temps. Pour me dire que nous avons 9 planètes, mais 9 planètes ça y a gravité autour de soleil là. Yo chaque nan orbite yo. Eh bien, dans 9 planètes sa yo, jusqu'à présent, parce que yo parle d'une 10e planète qui est Nibiru, mais scientifiquement, jusqu'à présent, il y a des doutes. Mais mystique yo connaît
sa présence est là. Maintenant, c'est pour me dire que parmi les plus grandes planètes, nous gagnons la planète Jupiter, qui est la plus grande planète de notre système solaire. Et Jupiter, dans la mythologie grecque, c'est Zeus, Sola. Et il y a la deuxième grande planète qui est Saturne, et qui est dans le système solaire nous en tout. Saturne, dans la mythologie, c'est Cronos qui dévore et qui mange ses enfants. Donc Saturne, c'est Cronos, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est samedi. Jupiter, c'est jeudi. Maintenant, ces deux grandes planètes, ils peuvent rentrer en savoir les conjonctions. Maintenant, quand tu parles de conjonction, je dois être toujours méthodique et parler selon une méthode. C'est-à-dire que vous parlez de conjonction, là, on aborde ce qu'on appelle en astrologie les aspects. OK? Mm-hmm. Aspects, c'est le rapport qui gagne entre angle de par rapport à une planète, à l'autre planète, et une planète par rapport à l'autre angle. Maintenant, dans l'aspect, d'abord, premier aspect, c'est ça, la conjonction. La conjonction, c'est lorsque la planète est rapprochée de nos dimensions. À partir de 10 degrés, on peut parler de conjonction. OK? Mm-hmm. C'est-à-dire que ils sont très proches. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, qui complique la situation, qui fait que l'idée d'exception, maintenant, cette conjonction, on l'appelle la grande conjonction. C'est un cycle de 20 ans, les répéter chaque 20 ans, mais puisque ces deux planètes-là, ils ont une fonction par rapport au symbolisme des planètes, et que vous pouvez le retrouver, c'est pour ça, déjà, mon fils, là, mon garçon qui a 10 ans, il apprend la mythologie. Pour être un bon astrologue, il faut comprendre et connaître la mythologie grecque. Parce que les planètes, les jours que nous gagnons, ils prennent nom, planètes, et Dieu mythologie grecque, par exemple, si me dit jeudi, c'est Jupiter. Si me dit Sunday, le jour du soleil, c'est dimanche. Monday, le jour de la lune, c'est. Ça veut dire que l'homme n'a pas pour l'homme n'a pas le bagage. C'est-à-dire là, encore, moins en mythologie grecque. Moins en mythologie grecque. Saturne, n'a Cronos, n'a mythologie grecque. Saturnus, ok, que nous pas besoin de définir. Maintenant, c'est une science merveilleuse. Eh bien, m'a dit que. Deux grandes planètes, ça y est, ok, y a une dimension tellement proche, y a et une ensemble à l'autre, confond parce que y a retrouvé à 7 minutes d'arc. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Son cycle qui réellement répété chaque 20 ans ou une conjonction chaque 20 ans, et économiste mondial y a suivre ce qu'on appelle la grande conjonction pour qu'on ait qui le pour faire des actions, ok, nous te gagnons. En 2000, et tout de suite après la grande conjonction, l'année qui suit là, c'est-à-dire nous encore en 2020, 2021, sont années qui apportent des vraiment choses terribles parce que qu'est-ce qui se passe? Même dans ce principe qu'on appelle la loi de la gravité, la gravitation universelle qui gère notre cosmos, notre univers, selon d'abord Newton, la physique newtonienne, qui, après, à partir d'observations, dont pomme cap tombé, et puis, monsieur établit la loi de la pesanteur, et 200 combien années après, avec et la venue d'Albert Einstein, qui, avec sa relativité en 1905 et en 1915, la relativité générale, il a parlé de cette loi, de fameuse loi, la gravitation universelle, ou bien, qui pourrait permettre qu'on comprenne que, pour la planète ça yo, yo gon impact magnétique, le rentrer ensemble, yo jouer ensemble, et que yo pral gagner sous tout système là, parce que c'est deux pi gros yo qui réunis. Pour qu'on ait les gros, les jambos, j'ai yo gros gros yo réunis, dans son reprenne, pour yo prendre des décisions dans la société, c'est-à-dire que moun entravé. Moun bien réunion mais ça. Mais quel impact la bien sous système solaire là? Voilà. Impact d'abord, c'est un impact magnétique, qui lié à champ de gravité, force de gravitationnelle dans l'hyper intensifié. Maintenant, ça va provoquer des phénomènes ou encore certaines catastrophes et en résonance solaire là, et amplifier ce qu'on appelle les éruptions solaires. OK? Éruptions solaires, il y a beaucoup plus. Ou bien l'OS en année 1. Et réchauffement climatique, là, beaucoup plus. C'est-à-dire là, on parle, on est dans nos contextes physiques, d'autres physiques. Maintenant, qui peut le faire que dans des pays tels que Californie, et Los Angeles sont séries de côté ou bien que il y a des forêts qui prennent du feu, il y a des côtés
côté que ou pouvait que feu un élément feu un libéral vraiment en exergue en branle, il faut dire que c'est deux éléments cap en branle pratiquement. C'est l'élément air et l'élément feu. Ça veut dire que c'est bagarre terrible. Pourquoi c'est l'élément air et l'élément feu? C'est parce que le signe, ces deux planètes étaient dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est l'élément qui gère, c'est l'élément tiers, qui est le signe de l'économie mondiale. C'est-à-dire, Capricorne représente l'économie mondiale. C'est pour ça, à partir de l'année 2021, à cause de la présence de ces grandes planètes, l'élite mondiale a été profitée. Ou bien, ou 2020. En 2020, ok. Il était dans le signe du Capricorne. Mm-hmm. Avec et cette fameuse planète qui est Pluton. Hadès, le dieu des enfers. Maintenant, Pluton qui fait des galères entre nos signes, il est ravagé parce que c'est le dieu des enfers. C'est Hadès, le dieu de la mort. Eh bien, le Ovin Joni a été intensifié et fait Pluton. Mm-hmm. Ok? Mais au niveau de profondeur, on parle de profondeur, on parle de intérieur, on parle de sang, on parle de maladie, on parle de infection, mm-hmm. on parle de toute bagaille. C'est pour ça l'année 2020, tu es venu avec question Corona et tant d'autres bagailles qui ont un rapport avec le côté intérieur de la planète Terre et dans son signe cultéier, qui est le signe du Capricorne. Depuis 2008, il est entré 2007-2008, depuis l'entrée dans le signe ça, tu as eu la grande récession hein, qui va le faire que. Et même aux États-Unis, on a perdu caillou à l'époque, 2007-2008, où est que Abdeson, tu as eu une crise, tu as eu Fedimac, Fenimé, et grande compagnie d'assurance, et que tu as eu un paquet de problèmes, et partout dans les grands pays du monde, tu es venu obligé à une récession à l'échelle mondiale. Parce que c'est un signe qui gère l'économie. C'est-à-dire, si on monde ou c'est Capricorne, ou pas faire commerce, ou pas faire business, c'est bagaille qui regarde. Ou que nous ne travaillons pas moi en tant que Capricornien. C'est pour ça moi-même, je prends plaisir chaque année à finir et parler de signaux et moi consulter moi pour connaître qui s'est prédit sous tête. Parce que chaque année, si elle n'a pas janvier, si elle n'a pas baou ou pas jeune. Ça veut dire que faut qu'on commence pour mettre beau qui tout, pour mettre réceptacle, pour recevoir sa ciel n'a pas quitté tombé. Parce que la Bible te dit dans Genèse chapitre 1, verset 14, que c'est. Étoile Lyon doit éclairer la terre. Éclairer la terre pas dans le contexte de lumière. Éclairer marche nous. Éclairer évolution nous. Éclairer action nous. Éclairer ça n'a pas réglé. C'est quoi causé? Mm-hmm. Parce que pas de menti là. Mais deux d'accord, mais pour observer et ce grand événement astrologique, au besoin de lunettes astronomiques. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, on peut observer la présence de Jupiter parce que l'hyperal occulté, l'hyperal tellement lié avec Saturne, aujourd'hui, non, ciel étoilé, parce que je n'ai pas consulté la météorologie pour savoir est-ce que temps absent ou fermé. Je n'ai pas fait ça. Mais je sais que si gagne un ciel étoilé, à partir de sud-ouest, direction sud-ouest, ok, ou capable de garder étoile ou briller, lumière, c'est cette grande conjonction, c'est Jupiter qui est présent. Nous sommes aujourd'hui 21, rendez-vous fixé. Après-midi, hein, depuis soleil couché, il y a un bel ciel étoilé, orienté vers sud-ouest, et étoile ça a couru qui a brillé lui-même pire dans toute étoile, c'est Jupiter. Derrière elle, derrière cette planète, se cache Saturne. Et gros rosé, gros bagage pour aller. D'accord, grand médium brésilien, par contre, ce qu'on est, monsieur Dalous, Juscelino Dalous. Et monsieur fait des prophéties dans ce sens-là à partir de l'analyse qu'on fait et m'a partagé avec vous. Monsieur dit le 26 décembre 2020, le soleil aura une forte éruption sur ta paléant et produira des taches solaires et un rayonnement très puissant. Là où, moi, où aller dans droite ligne avec les prophéties, monsieur. L'idée dit la lumière sera visible et de nombreux endroits pourraient même influencer les communications sur Terre. Il y aura de fortes tempêtes et de grands événements météorologiques. Okay. Ça, c'est professeur, okay. Monsieur. Okay. Ma okay. Et puis, vous pouvez le commenter. Okay. Il pourrait être un début, le début d'un blackout sur notre... Alors, il pourrait, parce que c'est conditionnel, le début d'un blackout sur notre Terre. Ça, c'est où elle va au premier prophétie pour 26 décembre. Et puis, il va en deuxième prophétie, c'est le 31 décembre 2020. Monsieur, c'est une journée 24 heures que nous avons gagné. Il prend une journée qui a gagné 15 heures au lieu de 24 heures. Et il est là, il a des conseils de 25 décembre jusqu'à 31 pour lui-même, mon pata de prendre avion parce qu'on l'a à petit jambon gomme. Et comme astrologue, et mon cap fait réflexion astrologique,
Comment comprenons-nous la prophétie de Rousselino Dalous? Ok, pas avant ou même, j'ai été contacté par plusieurs personnes en tant que référence dans ce domaine, dans ce domaine astrologique, que me fait preuve moi par rapport avec certaines prophéties et que tout le monde dit, ils ont estimé le plus souvent, ils fait, ils bon, ils bail, ils ont tombé. Mais je dois dire, ils me dit le plus souvent. Parce que les as inclinent, mais ne nécessitent point. Ça veut dire qu'ils n'obligent point. Ça veut dire que et configuration astrologique dans l'iparet, mais n'est qu'à viser, c'est pour son pays de Gémon à viser, cap diriger, comme a été le cas des Reagan. Les Reagan ont fait ça. Ils ont eu leur astrologue qui était au sol de l'État américain qui touchait Kobio chaque mois, et à savoir cet astrologue, ça a été le Nancy. Dans les années 81 jusqu'à 88, parce que Reagan, Nancy Reagan, t'es contacté Johan, ok, qui lui-même t'es géré question ça, t'es géré question ça. Nancy Reagan t'es contacté astrologue ça. Maintenant et dans grande puissance yo, toujours gain astrologue yo, parce que c'est des monde le plus souvent qui connaît yo permettent que l'homme nan gon bagaille, c'est-à-dire le la viser un homme averti en vous deux, li ka devie question. Maintenant c'est ça que nan y a derrière fait. Ok, même monsieur, c'est un problème avec la grande révélation qui est l'Apocalypse. C'est en fonction des études astrologiques et marche étoile que n'est-ce pas, parce qu'il est écrit dans la Bible, j'exaucerai les cieux et les cieux exauceront la terre. C'est même magana. M'a fait en haut, m'a bas en haut, en haut, bas en bas. Si en haut, bas bas, en bas, papka, papka jeune. That's it. C'est même magayo et ça fait une dimension universelle. Mais pas goûter avec des textes sacrés et même les Upanishads, le Bhagavad Gita, le Coran. Je respecte les textes sacrés. Dès que une multitude de monde qui croit nos textes, m'a pas venir critiquer ni jouer ni parler mal. Je peux comprendre que il est capable de yo mettre des bagages pour programmer monde. Mais cependant, en profondeur, je pense que les textes sacrés yo dit des bagages et qui profond et un monde qui a une dimension universelle, le vrai maître est universel, c'est pas un monde qui a une force côté cap gouma l'autre bagage, mais c'est quelqu'un qui cherche à comprendre et sortir de pièce ça que il est la tour de Babel. Parler un seul langage, c'est ça l'idéologie de tout grand initié, parce que la tour de Babel, piège qui est là-dedans, c'est penser que l'autre monde n'a pas l'autre langage. Et puis, tandis que l'autre langue, et puis tu es confus, et puis là, ou perdu, tu ne peux pas être le maître. Pas de maîtrise en ce sens. Mais dans le contexte, moi, je crois que monsieur dit mon bagaille, je voulais que vous compreniez et m'aborder dans le contexte pour me dire que non, il n'y aura pas ces effets-là le 26. Mais cependant, l'effet sera plutôt d'ordre cosmique, ok, c'est-à-dire un effet sur le plan cosmique, ok, invisible, qui pas qu'aucune répercussion immédiate. Maintenant, et oui, je comprends ce qu'il dit là, c'est que et réellement l'énergie spirituelle du soleil pourrait subir une certaine amplification. Je te l'avais dit à cause de la présence de ces planètes là et qui viennent confondre à un changement de saison. D'où le chiffre 21. C'est un chiffre sacré, 3 x 7, et cela, et que et réellement, et c'est comme à partir, bon, il faut remonter à la naissance de Jésus pour comprendre ce mystère. Pourquoi les Romains et ces personnes-là, les élites romaines, ont choisi de fixer la naissance du Christ à la date de 25 décembre, pour comprendre la prédiction que M. fait. Maintenant, quand non, au changement de saison, tu arrives à la date 21, mais il faut attendre au moins 3-4 jours pour que vous arriviez à paroxysme, c'est-à-dire niveau qui plus haut d'énergie de changement de saison. Maintenant, c'est pour ça qu'on est que dans la nuit du 24 à 25 minuit, le signe de la Vierge gagne une très grande opération pour le faire encore à la date de 26 que je suis parlé. Et le ça, le soleil, ses rayons, va traverser le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, et puis c'est la naissance. C'est pourquoi on a dit dans le livre d'Ésaïe, la Vierge deviendra enceinte. Ok? C'est-à-dire que c'est notre aspect ça, à minuit, d'où cette Vierge-là représente la Shekina pour les Kabbalistes. C'est-à-dire que, et là, je comprends, c'est-à-dire que, mais pas de bon impact côté téléphone en bloqué, du tout pas. Ça, c'est, je garantis, je vais représenter, yon nèg avisé dans le pays, moi. Moi toujours là pour me dire bagaille aux gens, ne vous inquiétez pas, il y aura pas ça le 26, il y aura pas ça. OK, sincèrement, si gain ça, on pas jamais prendre la parole encore. Parce que Dixit, ma gratitude. Moi même mettre pays là,
dans le contexte, ça, c'est moi qui vais représenter mystiquement là. Vous m'entendez tout le monde qui parle. D'ailleurs, c'est pas, pas faire folie, de... c'est pas rêve, vous faites. C'est science, vous faites la science. C'est pas en forme de mégalomanie. Ou pas trouver qu'on manque humble à ce niveau. Non, il y a des fois, il y a un Jean-Paul de Dieu, que bon Dieu permette mon gueule. Je me fous de fréquence sans ça. Tête chargée. Eh bien, on continue à débattre. Et comment on procède pour faire lecture astrologique? Par exemple, l'Ovo et Jean, c'est le firmament. Pour faire étude des trois lieux, la lune, le soleil, là, comment procéder pour faire ça? Ok, là, tu poses une question assez importante et sérieuse. Là, tu rentres dans la science. Je vais rentrer dans cette science qui est basée sur ce qu'on appelle la loi de correspondance, qui dit que sac en haut, les mêmes gens, à sac en bas. Ou qu'on doit dire, mais ça, ou faire un peu de recherche. Hein? On dit que si sac en haut, même gens avec sac en bas, nous sommes et ici, nous vivons dans la planète Terre, et la planète Terre, il y a des données, il y a des coordonnées, capable de dire, géographiques, tu vois. Il y a un sens d'orientation, il y a l'eau abgadélie, il y a une longitude, latitude, méridien, tout ça, et puis l'eau a parlé d'orientation est-ouest, nord-sud. Est-ce cela? On dit que, et moi, je dis, bon, globe ça, si par exemple, il y a un espace que moi, le ciel intéressant, si par exemple, moi, je prends un globe blanc, il y a des points et des coordonnées géographiques sous lui, je me retrouve là, dans cette salle-là, avec mon frère Pierre-Richard Guillaume, et nous sommes où? À Port-au-Prince, et Port-au-Prince, dans tel lieu, tel lieu. Nous avons une coordonnée géographique fixée au niveau de cette planète qui est la Terre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur le plan astrologique pour comprendre la loi de correspondance et l'effet que on sait de Baïka produit, qui ça et qui est fait au Kagen, in de place côté nous y en même. J'agrandis, m'agrandis ciel terrain, m'agrandis quatre ans, en agrandissant virtuellement et l'espace terrestre monté, m'aller côté planète dans positionner là par rapport à coordonnées dans l'espace terrestre. Maintenant, le m'agrandis, le fait que me gonfler terre, il vient bon un point de correspondance exact, c'est GPS actuellement. Il vient bon mon père. Actuellement, c'est à partir de cette science que oui, système de GPS développé. Je te dis la vérité. Moi, lié la magie et la science. Dès qu'on met pas qu'à venir faire ça, c'est radoter, on vient d'être dans. Est-ce qu'on est un télescope qui a fait travailler ça? Ok. Mais pour qu'on ait fait swap, tendez là, parler contre ça là, radoter, on vient radoter ici. Vous faites rêve ou bagaille, vous ne pas qu'on radoter. La connaissance, c'est la connaissance, c'est mon peuple périphone de connaissance. C'est des bagages de données mathématiques, scientifiques. Et puis, c'est nous qui bannissons ça, la science, la philosophie. D'abord, le début de la philosophie, ça a été la métaphysique. Ok? Ça veut dire que tout vrai métaphysicien avisé et occultiste avisé, ils ont déjà parlé. Et mondialement, les qui étudient ont dit, monsieur, c'est l'Igbora. Vous ne pouvez pas parler comme ça, soit vous faites ce monde. Ou vin rado to parler pile bagay moun pa konnen. Mon moun ka chita à l'école, c'est dans grand université, ça yo prêché. A qui est-ce fait allusion so Abdi la yo? L'obé ka parler yo. On pile l'obé parler. Et ça fait m'a envie parler. Ouais, m'ka parler. C'est ou ka fait retourner parler là. OK? Trop l'obé parler, nan bagay la foure bouche c'est mystique, on dit ça ou vle. Non! Superstition ça yo pas. Oui, la superstition c'est ça. Parce que superstition, la vraie interprétation, c'est fatra et dérive. On vient de aux vraies sciences, superstition. Le parle en vraie science, on a fatra science, c'est dans superstition. Ça dit que là, m'baladan. Maintenant, ça m'doui tout, et nous voulons en tourner sous question, même astrologie, comment vous faire pour prédire. Quand quelqu'un vient auprès de moi pour faire une étude personnalisée de son thème astral, je procède comment? Je prends les coordonnées de la personne, ça référence, par rapport à sa date de naissance, son nom, prénom, date de naissance, lieu et heure. L'heure, des fois, est important. Pourquoi? Parce que pour la construction des maisons, si je n'ai pas l'heure de naissance, la construction des maisons est capable un petit peu difficile à établir. On peut établir selon une heure, on peut être capable de dire zéro ou minuit, et puis à partir de là, pour me regarder comment ça se fait. Pour les planètes neutres, il n'y a aucun problème, même si je n'ai pas l'heure. Pour les planètes rapides aussi, je peux procéder. Maintenant, il y a plusieurs phases dans l'étude astrologique. D'abord, il y a les planètes qui voient lieu comment se déplacer dans le ciel dans le moment de naissance. Elles sont bonnes par rapport à 12 maisons.
Il y a les maisons aussi qui ont leur symbolisme, qui dit ça yo yé, hein? Elles sont bonnes et par rapport à signe, par rapport à signe. Par exemple, l'heure nous permet de connaître ce qu'on appelle l'ascendance de la personne. Maintenant, une personne peut avoir un thème, un signe solaire. Il peut l'incarner et non en novembre, l'ilier, l'iné 5 novembre, ils sont en scorpion. Mais cependant, au moment de sa naissance et à l'heure de sa naissance, il y avait un signe qui était à l'est. Ce signe qui était à l'est, on l'appelle l'ascendant. Maintenant, l'ascendant, il y a un impact sur le monde. C'est ça qui fait que le monde a un côté extérieur, qu'on a un côté caché. Donc l'ascendant, c'est peut-être le côté caché de la personne. Maintenant, pourquoi on aime et parler de lui, c'est-à-dire que si ça tout, il est aussi influencé le monde. Par exemple, moi, je suis Verseau, ascendant Verseau. Parce que moi, je suis né à 6h du matin, 11 février. Le fait que moi, je suis fait à 6h du matin, par exemple, on a fait un calcul ascendance. Son papa, je suis fait l'heure où je fait, et puis je suis déterminé ascendant. Tu t'es fait à 11h. Ascendant a changé? Pas 6h du matin. Ascendant, il y a un intervalle de temps de 2h du temps. Le pourquoi? Okay. Journée a duré 24h de temps. Ah, ok. Ça me dépend de comprendre. Il y a 12 signes. Si vous avez qui fait de 2h de temps, ou pas jeûner. Mais si vous dit entre 11h et minuit, et c'est 11h30 fait, on tombe exact dans l'ascendant. Parce que faut pas gagner plus qu'on y ait de. T'as des questions à poser. Si je fais un astrologue, mais là, vous, hein. Ah, bêtise là, il pas rêve, moi, fait, non? Ok? Je ne pas faire rêve, Jésus dit, je ne vais pas aller là, non? Comprenez? C'est la science. Ça, c'est la science qui a parlé. C'est la science qui a parlé. D'accord, mais on va parler de science, mais il y a des gens qui disent, astrologie, c'est une pseudo-science. Et pour me répéter, certains astronautes, ils disent, c'est une pseudo-science. Bon, et. Pas faire science, mais pas considérer l'astrologie comme okay. Science. Mais science, on d'accord même. Science classique et expérimentale. Bon, mais pendant ce temps, d'accord, c'est astrologique, ben naissance à l'astronomie. D'accord, oui, c'est l'alchimie qui a donné naissance à la chimie avec la venue de Lavoisier hein, et théorie. Oui, d'accord. Ou d'accord. Hein? Et même dans la médecine, là, la loi parle serment d'Hippocrate, ça n'existe pas. C'est des philosophes, des gens qui sont philosophiques, qui ils n'avaient pas de laboratoire, ces gens-là. Et leur laboratoire était leur pensée. Donc, c'était des expériences de pensée, leur cerveau. Non, d'ailleurs, on dit que, en clair sur ça, maintenant, la science est en même temps, il y a des pinga que vous mettez. Vous comprenez? Des interdits au niveau de science, hein, pour ne pas permettre que tout le monde franchi parce que vous rentrez là-dedans, vous avez à un certain niveau, établissez maintenant beaucoup. Ça, nous n'allons pas en parler. Et les gens qui ont un niveau doctorat, c'est, ils savent pertinemment de quoi je parle. Je ne vais pas entrer là-dessus pour mal mettre la science en question. Mais vous connaissez que nos approches épistémologiques, on voit qu'il y a fait question ça. Donc, on dit est-ce que la science scientifique, la scientificité de la science, ok? Depuis, on a entré dans l'épistémère. Ok? On dit que nous, pas là, je dis pour ça, nous pas faire un étalage, mais et l'astrologie, c'est ce qui nous concerne parce qu'il y a des tas de choses qui vont se dérouler, qui va le passer par rapport à l'année 2021, qui a pour année extraordinaire, que ce soit pour le monde et pays d'Haïti. D'accord, mais l'astrologie, hein, les liens avec la magie, tout. Oui, l'astrologie et les permet que magien qui t'a sur un principe, surtout la haute magie, c'est pas la basse magie. Parce que l'on a parlé quand j'étudie avec mes étudiants là, m'a enseigné quand j'enseigne à mes étudiants la magie ou la haute magie. Moi, distinguer magie avec eux, je leur parle de la théurgie, de la haute magie et de la basse magie ou encore la sorcellerie. La sorcellerie ou la basse magie, on dit sorcellerie ou basse magie. Or, qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la haute magie déformée. C'est-à-dire que quand les lois ne sont pas respectées au niveau de la haute magie, parce que pour pratiquer la haute magie, il faut comprendre et connaître le mécanisme universel, les lois qui gouvernent l'univers. Quand tu comprends ces lois-là, ou adapter-yo à rapport à une série de bagailles. Par exemple, lorsqu'on noyau, ou dit que dans certaines circonstances, ou dans un temps bien déterminé, il est favorable pour me faire tel travail. Par exemple, si je veux opérer dans un domaine de ce qu'on appelle la magie sympathique, c'est-à-dire deux mouns qui mariés, qui ont un problème qui quittent, je n'ai pas qu'à aborder le non-jeudi. Je n'ai pas qu'à aborder le non-mercredi. Ou après que moun qui pratique haute magie la principale pour garder quel est le moment favorable
il y a un cabo 10 000 versets qui parlent de Dieu prie Dieu au temps favorable. Il faut s'adresser au ciel parce que c'est le ciel qui donne. Il faut connaître les momentum du ciel, hein, opportunité. C'est-à-dire que eux vraiment sont grands opportunistes, mais ont opportunistes qui toute opportunité céleste pas perdue. Les occasions, les grandes occasions célestes. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Maintenant, dans ce contexte-là, m'a dit mon nom, ils sont vendredi, ils m'opérer. Mm-hmm. Si ça a rapport avec un enfant, c'est lundi. Si ça, c'est ton activité, ton travail, je vais gérer l'évolution de Mercure durant l'année 2021 ou un mercredi, par rapport à une pleine lune. Parce que ça, c'est pour te voir. Il faut la pleine lune. On pas capable d'Algérie pour faire un bail trop bête là. On a étudié, on a fâché. Parce que c'est un courant pour venir. Kabbalah Haïti, ou t'appelles Kabbal, K-A-2-B-A-L-E, Haïti, H-A-I-T-I, .com et Boukal en bail. Mais Kabbalah, on l'autre site, mais fait, parce que nous voulons gagner un autre couvre du tout. On voulons que nous voulons mettre pour nous montrer tradition en liaison avec la Kabbalah. On vaudou Kabbalah chaque samedi. Partagez avec nous, non, Makat, sur Drouillard. Quelques des grandes occasions célestes, parce que tu as tapé fleurel dans ma profondeur. Oui. Et ou pas permettre loi guide me rager trop nous gagner des soto tu vois oui sous masakai en c'est des niveaux qui déviguer des amour hein on gagne vraiment oublier son grand tout non depuis 16 ans d'aller on prend son mais même il dit c'est son mic macre cacophone nous pas noir on gagne et puis non même Jésus dans la vie me dit en Jésus dans toute base Bon, Jésus en lui-même puis pas négocier. Ça sont bouillon. Bon, même pas même dans chrétien, nous sont jésusiens. Tellement moi mais Jésus. Mais on a les pour réponse en bon, on va les grandes occasions célestes par rapport à l'année 2020 et 2021. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Et déjà il y a un bagage que toute gamme ici gande comprendre. C'est une phase de transition 2020-2021. Est-ce que tu vois ce qui arrive? Si tu prends le calendrier et de 2021, on va voir que il commence au vendredi. Premier au vendredi. Maintenant, et 1, 2, 3, dimanche, c'est-à-dire ça, c'est la fin d'une semaine. Est-ce que cette semaine se trouve? Est-ce que cette semaine, d'abord, c'est une semaine? Parce que d'ailleurs, il dit que le mois de janvier, il portait 5 semaines. C'est-à-dire, on considère déjà que vendredi, premier, samedi 2, dimanche 3, font partie, ces jours-là font partie de l'année 2021. C'est sûr, c'est normal. D'où, et de mois de janvier, je dis 5 semaines. Maintenant, qu'on y a là, et en même temps, mon gars réfléchit tout que son 53e semaine de l'année 2020. Maintenant, qu'on y a côté placé ces 3 jours, en bien, on mystique Abdou, c'est 3 jours de transit, de transition. Et puis, 3 jours, ça, il faut nous attendre à des événements majeurs. Toi, les événements majeurs. Des événements qui. Apocalyptique ou bien. Je vais te dire un événement majeur qui t'est produit au début de l'année 2020. Et je savais que année ça t'a grave pour l'humanité. Je l'avais dit dans une station sœur. C'est la mort du général Soleimani. OK? Le toit. Or. Lorsque où tu es en grand, hein, il était le deuxième de un empire et qui traversait les grandes civilisations, donc civilisations anciennes, hein, qui c'est l'Iran ou la Perse, hein, l'empire médo-persan. Maintenant, le où est dans la entre 6 et 7, ou bien où est il a fait funérailles, monsieur, et puis où est quantité mounio cap relé à bas Amérique. Yo dégage une énergie qui allait à l'encontre du président qu'il a. J'avais déjà dit. Et oui, mais c'est lui qui était auteur criminel, d'ailleurs, il était assumé, il dit ça. Yeah, il était passé notre bout. Mais ces énergies-là, voilà. Moi, je t'ai déjà dit, ton vaisseau, yo dégage un bagage, et puis ça mort là, en dans les États-Unis, ce conflit antenne, dont j'avais prédit aussi avant,
il passe par George Floyd, il va intensifier. Maintenant, l'élite américaine qui travaille, cap travail pour des autres pas fait aux États-Unis. Yo réfléchi, yo pensé, yo élection menaçant et c'est ça sauté à l'œil que tout le monde a dit que pas gagner un problème. Maintenant yo sauvé dans un premier temps. Maintenant est-ce que avec force et ampleur courant ça va rentrer là? Je vais te dire ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Oui, parce que moi, républicain, yo annoncé yo même tout, yo pral organiser cérémonie tout. Qu'est-ce qui va arriver? Démocrate, tu as préparé. Tu dois m'écouter. Oui, allez. Parce que j'ai la tête dans les étoiles et les grands astrologues ont leur tête dans les étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le 1er janvier, la lune noire qui est Lilith, l'a rentrée dans le signe du taureau. Ah ouais, quand je vois la lune noire arriver dans le signe du taureau, je me suis dit, waouh, extraordinaire ce qui va se passer. La lune noire dans le signe du taureau déjà depuis l'année 2017, avait en son sein, il était gagné dans le signe ça, et Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. Quand Uranus rentre dans un signe, il provoque le changement. Maintenant, les interprétations astrologiques, il ne pas chita seulement sous en question de planète, chita, je te l'avais dit, sur les signes aussi. Maintenant, le taureau représente quoi? C'est la nature. Le taureau, c'est la nature. Maintenant, c'est pourquoi, après, accord de Paris 2017, après que bon ensemble d'accord, que n'a été fait sous un contexte environnemental. Quand je dis que le taureau, il chita sous la nature, mais avec quoi on la boulait, t'es avant, t'es une grande évolution, c'est avec taureau, c'est avec bœuf. Nous t'es qu'on la boulait, d'où structuré, t'es planète, t'es c'est taureau lié. D'ailleurs, le taureau, c'est l'élémentaire. Maintenant, quand ce signe, il rentre là, résider là, le signe de l'élémentaire, ou bien le Pluton entré dans le signe du Capricorne qui est élémentaire, il fout notre tremblement en 2010. Deux ans après, il finit d'entrer dans le signe. Qui est notre signe, le signe du Capricorne. Maintenant, moi, c'est pour ça, tête mette toujours dans le ciel, pour comprendre le monde, son histoire, comment ça se déroule. Maintenant, au monde qui est tête ou baissée sur la terre, ou obligé à attendre le jour, chaque sac passé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il rentre dans le signe ça. Hop! Waouh! C'est Lilith. C'est quoi la lune noire? C'est la face cachée de la lune, c'est Lilith. Quand la Lilith rentre dans un signe, ah, d'ailleurs, c'est le signe de la nature et qui est lié avec femme. La nature, c'est la femme. La nature est féminine. Maintenant, si c'est la femme, ou pour un moment, bref, il prend 9 mois même, j'en femme, pour le fond de monde. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on sait déjà? Là, c'est l'enfantement de la terre, comme dit dans Romains chapitre 8, verset 20 à 22. Toute la création souffre et subit les douleurs de l'enfantement. La nature souffre les douleurs de l'enfantement. Maintenant, avec l'entrée de Lilith dans ce signe, et pendant qu'il y a Uranus qui l'a, vous connaissez le problème? Déduction alliée. La maladie des nouveau-nés 2021. La maladie des femmes enceintes. Ça veut dire que sous tes maladies corona, c'est grand monde qui est venu tuer. Attends-nous à une maladie qui peut tuer Timoun et femme grosse. Mort depuis la naissance. Les pral tôt, ça pral augmenter. Timoun bitio, yo pral frapper de plein fouet pendant 2021. Eh bien, nèg kap jere force noir, yo pral amuser yo tout, oui. De force ça, yo y a géré pour entrer vieux virus, vieux maladie. Maintenant, il y a dans les gants dehors là, m'a regardé en Angleterre, virus ça gants dehors là. Pire même que le corona. Non, mais nèg yo déjà étudié par rapport à ça qui a passé. Maintenant, l'orgueil a gagné ça, ou comprendre ça, nèg yo pral faire, ou comprendre tout, parce que yo même y a vu ciel là. Mais y a vu négativement. Nous même y a vu positivement, c'est la lutte. Lutte entre deux forces, yo, j'ai 4 ans de doux là. C'est peut-être une approche manichéenne, ou ap dit que m'a fait, mais la guerre entre le bien et le mal, c'est obligatoire. Ça a relié à Armageddon, c'est la bataille finale. Maintenant, nous avons gardé de façon par eux, c'est nous-mêmes, hein, les grands maîtres avisés, qui pour tout pays, avons gardé de façon par eux. Moi-même, je suis exhorté à Haïtien pas entrer dans la question de bagarre, ben vaccin. Or,
M'a dit nous non pour ne pas entrer, on va le montrer nous par rapport avec prévision. Il y a force au rentrer quand même, voulez pas vouloir. Non, mais si enfin, si je dis aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Je profite de cette date. Je profite de cette occasion pour dire bon anniversaire, joyeux anniversaire à et ce type là qui est le président de la France. Bien que c'est opposant pays Macron, nous. Macron. C'est la fête, c'est l'anniversaire de Macron. Mm-hmm. Parce que moi même étudié avec ça, grand chef d'État ça, parce que me toujours dit qu'on triangle entre Haïti, États-Unis, la France. Maintenant, qui s'est passé après le 17? Jupiter a laissé le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Il est capricornien. Qu'est-ce qui s'est passé? Jupiter, c'est je sais le roi. Monsieur a baissé. Il a amoindri. Il a connu coronavirus le jour même. Il a fait le diagnostic même, monsieur Gagne le 17. On sait cette même date, jour 17, là, que Jupiter laissait signe, monsieur, pour entrer dans mon signe qui est le signe du Verseau. Oh, monsieur tombé malade. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est capricornien. Ok? Maintenant, où t'es gagné trop qui te fait maladie en tout? Maintenant, il nous reste notre président, nous, Jovenel Moïse, de Verbundal. C'est ça que fait. Le trop fait maladie en trop, pour aller remettre lui. Et puis même côté, un jour, il y a un foot papa, on a gagné, il dit, mon chef, on a le temps de boumer, parce que moi-même jeune, ou bien que je suis malé. Dans le même moment, papa, Jovenel mourit. Ça veut dire, Jovenel, est-ce que le TGR, pour ça que Malvin souli, hein? Parce que si on bagaye, cap fait, chaque nègre prend brimadio, en tant que chef d'État, on a même toujours pas l'eau, là. Vous comprenez? Même pas, on ne parle pas l'eau, non? Et conseiller, monsieur? On parlait pour tout et pour pays m'a travaillé pour m'adresser avant. OK, normalement aussi. Ou pas que pour voir l'aime vienne balavo, pas qu'à changer non. C'est nèg qui a prendre décision. Si bon Dieu passer dans tête, il a changé toute bagarre parce que après bon Dieu j'ont dedans des en vrai si bon changement qu'a fait des parler pour passer. Pas rien menti dans ça. Vous comprenez? Ça veut dire que ça son premier aspect. Deuxième bagarre qui est terrible que moi le dis, c'est que en bien mon frère après 2006 après 6 janvier, la planète Mars va laisser le signe du bélier pour pénétrer et rentrer dans le signe du taureau. Ça veut dire là, changement ça. Ah là, l'entrée massive, c'est la guerre, c'est fou, c'est barré terrible, géré. Il va rentrer dans le signe taureau, mais si janvier en l'avant-train, pourquoi catastrophique? Ou qu'on quitte le pral gon conjonction entre planète qui était déjà dans le taureau, qui est Uranus et planète Mars, 20 janvier. Exactement, jour investiture. Ah bien. On a mapé étape par étape comment ciel la pied parce que ciel dans tête le ciel de 2021 dans tête gagne nuit on pas besoin cahier ni livre là pour moi. Eh bien le rentrée le 13 la rentrée dans signe le 13 la nouvelle lune, il va y avoir une nouvelle lune le 13 janvier. Ça veut dire que à partir de là le 13 à 20 ou dans période nouvelle lune là, eh bien le 17 terrible. Ça veut dire que ou pral gagner un carré qui a fait de Jupiter qui n'a signe que l'entrée Kounia qui est le signe du Verseau élément R, de même élément que Donald Trump, mais problème non. Élément R, le Verseau, parce qu'il est Gémeaux, ni une triplicité d'air là, de même élément que Donald Trump, la rentrée dans le signe d'air, le rentrée dans le signe d'air, eh bien, il y a un carré dans le signe ça, par rapport à qui est à Uranus qui dans le signe du taureau élémentaire. Deux éléments qui peuvent marcher, c'est pour ça les astrologues avisaient, donc une question carrière néfaste. Mais carrière compression d'énergie. Pas le gâter aux États-Unis. Mon cher, non seulement il y a Libit qui peut jouer dans tête, monsieur. Libit pas jouer et Wayol gérer pour le mettre en catastrophe. Et Jupiter qui prend un carré avec Saturne, non? Saturne, c'est Cronos. C'est la grande bataille, il ne faut pas oublier. Et avec, pas Saturne, non? M'a parlé de carré avec Uranus, qui est le changement. Qui lui-même, c'est lui gérer, ça aurait le signe du Verseau que Jupiter a retrouvé là. D'accord, maintenant, après, on est sous carré avec Uranus, non? Entre dans la propre sur Radio Téléstorm chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Pas oublier, ou à suivre l'émission ça, ou à jouer l'émission ça sur et notre channel, le grand channel Blocus. Et pas oublier, abonner avec channel ça.
Invité aujourd'hui en blocus dans le temple du savoir dans Praplilis, c'est l'astrologue, le franc-maçon et kabbaliste Marc Arthur Drouillard, avec lui bien entendu, n'a pas décrypté certains phénomènes astrologiques. Eh bien, merci de votre fidélité. Ne zappez pas, hein, n'a pas retourné tout de suite après la pause. Pub. Seulement chez Nam. Merci de nous être toujours fidèles. À l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance, n'a pas appelé au WAP Suive Blocus, votre émission de prédilection. C'est toujours honneur pour nous-mêmes pour nous saluer nos frères et sœurs et amis et qui vivent dans la diaspora. Nous voulons parler de Zamino qui en France, Saki en Italie, Saki aux États-Unis, Saki au Canada, Saki au Venezuela, Zamino qui en République Dominicaine. C'est partout dans le monde, sans ne pas oublier Zamino qui en Suisse. Nous attachés en pile viscéralement nous-mêmes, gens que nous-mêmes nous attachons avec nous, ouais, son principe de symétricité, hein, son aller-retour qu'a fait entre nous-mêmes et nous-mêmes, entre moi-même et nous-mêmes, et voilà. Amen, après appeler soit à peine branché, invitez-nous, jeudi en temple du savoir là, c'est l'astrologue, le franc-maçon et kabbaliste Marc Arthur Drouillard, donc Céline Gagnon, jeudi en comme invité dans Blocus, qui a fait un travail de décryptage de certains phénomènes astrologiques. Mais tout à l'heure, on va avoir une possibilité pour capable intervenir dans le débat. Ça, je m'a communiqué nous d'ores et déjà le numéro de téléphone qui permet de nous participer dans le blocus. Ou gagner 38 47 82 20. 38 47 82 20. Et puis ou gagner 40 33 95 63. 40 33 95 63. Je reprends les numéros 38 47 82 20. Et pour gagner 40 33 95 63, c'est et deux lignes ça yo et cap disponible pour amis en Haïti. Cependant pour amis nous qui à l'étranger, pas oublier principe plan, c'est toujours le 954 214 38 14. Macature avant pause là, nous t'est arrivé non carré avec Uranus. On continue avec détail. OK, et moi bien content nous retrouver nous ensemble avec auditeur auditrice. Qui ici en Haïti et puis dans la diaspora, je salue tous les fanatiques dans la diaspora. Il faut me dire que Pierre Richard, ou grand fanatique, ou grand quantité de monde dans la diaspora qui est énorme, mais il y aurait moins un peu. Compliment et c'est toujours un plaisir. Chaque fois que je fais une émission ensemble, il faut me dire que je me sens toujours dans le bain et dans la dimension que je suis dans l'émission. Bon, peu importe, l'autre monde fait jalousie, mais je me toujours témoigner à tout le monde. Mais on a parlé du carré, hein? Carré, hein? Qui a une importance capitale. Nous voulons en même temps mettre en précision pour tout le monde qui a pratiqué la magie. Pierre Richard. Mm-hmm. Si on a un bon fond, on pas fait tout ça nous dans le livre. Parce que le livre, ce n'est pas la vérité, le bas jour. Mais magie, il y a un contexte parce que il y a patience expérimentale. Science expérimentale, il y a même bagaille dans même condition même effet produit même cause yo produit les mêmes effets même effet bien gagner formule qui là en magie mais formule yo gain momentum yo gain l'heure pour yo fait yo gain un moment pour yo fait et yo tenu compte de ça relé déterminer individuel qui moun k'ap fè yo moi gain classe moi m'gen 20 moun m'ka baye on pratique magique 3 moun réussi 17 moun tombé mais 17 moun qui tombé yo l'ont étudié par exemple on m'arrête simple m'baye fò une expérience momification de mandarine m'jwenn gen nèg mandarine ko dwe mete de côté an a salapman pou magnétiser pou wè énergie kòl lan salapman yo premier jour man ni pourri l'autre mandarine nan rete intact sak pou pourri pou ko jam pourri. Depuis premier jour ça la main pourri. On est constamment en femme, il a gagné tout guillon sur lui. Ça c'est son monde qui plein problème. Moi j'ai des étudiants, moi vivre bagage ça. On pas prendre dans bagage. Mais
chaque étudiant, c'est un moment d'accompagnement. Ben, c'est pour m'expliquer que l'expérience en magie, il a tenu compte de mon en question. Tandis que dans la science classique, quoi, parler là, science expérimentale, là, c'est formule, là, tout le monde a venu depuis le connu. Ok? C'est-à-dire que, mais c'est nuance. Il tenu compte de mon, c'est pour ça qu'on développement personnel, on développement individuel, on met à viser le bas. On met à viser Abdou que si on moun, à bon fond bagay, il pas placé dans le temps bas ou si son point là bas ou que le jour son point là bas ou et l'œil pas là ou pas ka fin. Et ça fait qu'on y a des moun qui fait un an y a mené dans le garougan, dans le nonce de bagay, qui a mis le jour ou l'autre moun, et puis après un an y a livré pour contre parce que moun nan mouri le bas là. Et puis y a dégringolé. C'est amélioration à chercher en magie. C'est évolution à chercher en magie. C'est pas pareil qui pour condamner. Parce que dès que moun nan pas là, ça nan moun nan pas contre nature li, on met toujours bon au monde qui prévoit ça pour qu'on mette à viser. Mettre à viser à fonctionner comment? Même le la fond bagay pour vous, il faut participer pendant la fête pour vous. Son façon, le pas là pour qu'on continue. C'est très important. Mettez précision ça. D'accord. Ok? On entre dans le carré. Hein? Moi, j'ai tenu compte de carré ça parce que. Dans la date de la fête, dans 17 ans, c'est une date de grande décision. Chiffre date dans seulement 17 ans, chiffre 17 ans, arcane 17 ans, l'étoile, il est déjà 10 salles, il est dit dans 22 arcane. Il y a un carré Jupiter qui n'a signé Verseau, l'élément R, avec Uranus, qui lui-même, c'est planète recteur, rectrice, c'est-à-dire qui régit signe verso, qui lui-même trouve dans le signe du taureau. Or, gagné ça aurait l'eau, on t'a capable de dire, yon tension élevée, parce que carrément, pour tout nègre, il son tension tête chargée. Mais il y a un certain astrologue moderne qui dit son transcendance. L'homme placé ou bien astrologue a placé dans le contexte, par exemple, États-Unis, c'est-à-dire que ou bien monde nan, par rapport à où États-Unis joué, ou après que transcendance pas possible, parce que carrément qui s'allie. Pour qui ça, yo dou nan aspect yo, gen harmonique nan conjonction et nan sextile, yo parle de harmonisation. C'est parce que yo de même signe, des signes qui vraiment youn en harmonie à l'autre. Tandis que c'est des signes qui totalement contraire carré en bas où carré c'est 90 degrés. C'est des signes totalement contraire. Eh bien, ça veut dire que à partir de là, eh bien, ou bien on signe d'air à un signe de terre, il pas marcher. Est-ce que ouais, terre à l'air qui a marché? La bonne tempête du désert. On tempête côté que on vent qui a soufflé dans le désert. On veut qu'on souffle dans des airs qui s'appellent beauté. Désolation et tout bagaille. Maintenant, niveau de transcendance astrologue moderne, il hein, faut me tenir compte de modernité. Il faut que tu aies gagné monde qui a vive carrière. Ça, c'est dans l'astrologie personnelle ou étude personnalisée. Monde qui a vive là, il faut que tu n'aies pas un signe qui concerne. Or, élément, il faut pas un élément concerné. Élément qui caractérise Donald Trump, là, c'est l'élément R. Et ça fait un monsieur vague comme ça. Et ça fait un léger comme ça. Parce que l'élément, c'est style, mon nom, rien pas rien pour lui. C'est le lié. Ou maladie vini, qui mêle. Mais a passé. Il parle comme l'air. Il est R. Parce qu'il est Gémeaux. Et Gémeaux, c'est l'air. De même nature que la balance. De même nature que le verso. Dans ce contexte-là, il n'a pas cette dimension de transcendance. Or, les astrologues modernes qui vont me dire que le carré peut marquer une transcendance en bien, dans un contexte, moi, comme un astrologue avise et tout, dans le contexte que Moun Sahara, on fait étude pour dire, si Cap Gouméo
li pa gen élément k ap goumen yo li pa concerné. D'accord. Bon, par exemple, si do oh qu'est-ce qui va se passer à partir de 17 tout. Même si trop tap gérer son bagay, li pou ko fin accepter. 3 jours avant 17 nan a carré ça. La d'accord la rager. Et on carré l'armée prend la rue. Oh, qu'est-ce qui a été prédit? Quelle a été la prédiction de un colonel de l'armée américaine dans les années 1912? Monsieur a écrit un livre que monsieur parlait, il dit que et ton prophétie? La fin des États-Unis. Mon ami a écrit comme Jules Verne. On ben il voyage dans la lune, mais il a écrit pour prédire à travers les romans ou bien des écrits. C'est fait meilleure façon. Et puis, comme on fait là actuellement, les dessins animés. On dit tout mais à partir des dessins animés. Mais arrivé réellement. Oui. Par exemple, tu dis que Corona dans des dessins animés, moi, au conseil. Oui, à partir des dessins animés. C'est une façon, même jamais même. Je suis venu là pour dire une vérité, puis je dis une pile bêtise, parce que faut pas prendre au sérieux. On ben parce que je ne pas gagner de droit trop sérieux système là manger. Moi on utilise un pile mot en flanc des fois. Il y a même obligé. On y a dit ah mon pas prendre parce que c'est hypocrite. Il y a même monde de bien, monde obéi. Et puis on va dire monsieur son monde fou. Je veux être fou. Hein, m'a fout de casser tête tout le soir pas quand même la justice. D'accord. On ben Macature, on aller et on va parler de ça me besoin montrer pour démontrer rationalité signe zodiaque. Qu'il est compatible, par exemple, qu'il est ou pas compatible. Au monde qui Gémeaux, à qui est-ce qu'il a cohabité? Au monde qui Capricorne et Capricorne, à qui est-ce qu'il a cohabité? Au monde qui Mars, parce que vous regardez rationalité ou bien irrationalité et de m'dagadis signe zodiaque. Ok, c'est toujours dans la symbolisme. On va poser une série de belles questions. Mais c'est toujours dans la symbolisme. On va y retourner tout avant par rapport à la prédiction surtout. Mais et la science, cette science-là, lui intéressé hein, que nous faisons mieux comprendre l'astrologie. Maintenant, par exemple, si moi prends un signe d'air et un signe de feu, eh bien, même j'en vais prendre plusieurs autres signes avant. Par exemple, moi prends un Sagittaire et puis un Verseau. Ou après que, gen des fois, moun sa yo gen une tension énorme, mais yo géré quand même. Parce que, Erlan, dans l'humidité, il a besoin du feu pour refroidir. Et puis, feu a besoin Erlan pour expandre. C'est une nécessité dans deux éléments yo qui fait que youn malgré problème parce que les tensions existent partout depuis le péché originel, ça c'est la dimension kabbalistique. Or les tensions yo créé au niveau des couples parce que la réalisation de la dimension sentimentale par rapport à cette dimension d'âme que nous possédons qui est le roi ou le rouillac. C'est une dimension invisible. Si nous te fait réalisation, c'est à 13 ans. Nous te devons joindre mon nous mais à 13 ans. Mais à cause du péché originel, et que serpent campé, il entre. On donne dans Ève. Ève était très jeune. D'ailleurs, soit elle pose une belle question, Abdou, Ève te gagne 13 ans. Comment mesurer l'âge? Puisque vous dites que vous venez tout grand monde sur la terre. Ah ben bon, mais tout grand monde a 13 ans, de tout grand monde, parce que, dès que, bon, moi bien, comment comprendre que vous voulez un petit monde dans 21 ans pour le marier, et tandis que, corporellement, physiquement, pour le reproduire depuis le formé à 12-13 ans, Gafel. Et ça n'a tu produit la Kailia, à sa société, tout d'accord, garde intervalle. Ça veut dire que l'enseignement initiatique sera beaucoup plus réel et réaliste. Mais lié à toi avec l'enseignement médical, tout qui dit, les petits mouns trop petits, même s'ils forment, ils sont entrés dans une relation sexuelle, ils ont un bon problème, ils peuvent gagner tôt ou tard. Non, médical, ça pour faire au passé. Parce que, ma bon bien, si mouns ça, entre un moun
qui rentre dans grand monde qui a fait ti monde ni pour garçon ni pour femme en tout monde qui ti monde soit quoi dire à la 13 ans fait former hein? Mais au fini par réaliser il a plus capacité pour digérer ti monde et pour gérer là. Parce que tout bagarre yo jeune yo jeune ça veut dire que et jeunesse c'est lui même qui base tout bagarre yo les nèg yo pas fait hypocrisie. Mais la France, on sait de pays actuellement d'où, depuis 4 fois, on commence à dire que les gens ont des sexuels. On a coupé parler, on dit, mais si on a fait une émission, si on n'a pas de zozo, on n'a pas de coco, on n'a pas de guette. Parce que la guette, on dit, ouais, on ne peut pas parler de bagarre, on veut tout tourner. Pour le gros âge de complexe de dip, à 5 ans, si on veut remplacer papa, on va maman. Ça va pas faire beaucoup de maman. On dit que, nous, nos systèmes, nous pas évolué, et puis nous avons dit bêtises, son nation qui est dénouillée. Nous, hypocrites à tête, nous sommes des gens foutus et finis. C'est-à-dire que nous pas libérés. Non, ça fait ouel comme ça. C'est parce que. Bah, ouel aux gens. Éducation sexuelle ou bien éducation à la sexualité, nous n'y pas fait. Il n'y pas fait. C'est ça qui passe. Non, mais voilà. Vous avez tout à l'heure que. Pendant non, ça, c'est pour montrer que le mystique doit être français. Non, 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 pendant ça, là, pays, où on a blocus. Pendant dit ça là, maudit là, il y a un gars dit, oh monsieur, ça ne va pas comprendre comment la parle là. Vous venez comprendre ça, Mabdou là? Qui m'aime? Non, même tout ce impact ça l'a fait. Oh, mais parce que pas monsieur Tandil. Mais il n'y a pas libéré eux-mêmes. Que de même, la guette, il y a pour libérer parce que moi finalement, il y a près de gens, hein. Regardons caca. Elle dit que vous libérez, les algouilles, des boutons de carnaval, elle dit, son peuple guette nous gagne. Amen. Ou pas l'augmenter en façon d'un monde sérieux. On pas demander public les excuses, ma carte. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a des gens qui ont fait demander excuses. C'est moi-même, mon cher. C'est vous-même, on pas changer. On pas changer. On pas changer. On tourne sous ça. On tourne. Ok, on a dit. Nous n'avons pas de quadrature, nous n'avons pas carré. Non, parce que tu as fini avec compatibilité. Compatibilité, par exemple. Moi, je prends deux signes là. Je prends l'autre, par exemple, pour. Au monde qui est élément eau et élément terre, tu vois. Ma fait on symbolise, c'est symbolique pour permettre de comprendre. Parce que et c'est la nature qui enseigne nous. L'eau prend de l'eau ou mélanger la terre. Yo djou li bon la boue. Hein? Et à qui ça nous fait mortier pour nous construire caille? Donc au monde qui de élément eau à un monde qui de élément terre. Et pas de l'eau à aux éternes pour plantes grandies. La nature pas montre où l'on a fructifié. Mais les cohabitations qu'a fait là. En bête, bon. Et déduction, c'est un monde qui a tant de lieux pour faire. Et qu'on s'en professeur. L'éclair. Yeah. Et qu'on s'en professeur, enseigné, étudiant. C'est pas moi pour dire finalité pour vous. En tant qu'étudiant ou abtandem, est-ce que le mettre, me fait de l'eau tomber sous terre, plante pas grandie. C'est-à-dire que sous d'élémentaire, mon nom d'élément O, ou supposé jouer nos moyens pour ta vie agréable. Mais il y a toute une série de paramètres qui rentrent. Éducation familiale, société qu'on a appartenu. Ben, c'est des bagages que yo quantifiables. Est-ce que ça a li 25%? Est-ce que l'école là, c'est 50%? Est-ce que la caille là dans mon nom? Parce que chaque monde. En fonction du contexte social, le positionnement là, par rapport à Kamau, l'on prend très sous terre, hein, pour définir qui a nous en nos sociétés, son golagay. Maintenant, ça, j'en ai rajouté dans la tête, mais là, m'a quoi tout le monde a compris. C'est pour ça que, nan, m'a gagné, yo, travail de ce genre, que m'a fait, qui c'est 14 février, au séminaire de formation, qui est, hein, gestion des relations amoureuses, des couples, par rapport avec l'enseignement kabbalistique. Yo. Ok? Moi, prévois séminaire, ça. C'est sur le séminaire que je me concentre. Parce que quand je regarde Vénus, la planète Vénus, par rapport à l'année 2021, c'est seule liaison nous avec coupure qui a sauvé nous. Parce que la tendance de vaccin, la tendance de ce qui va se passer par rapport à ces forces obscures, c'est diviser la famille. Maintenant, pour consolider la famille, il faut réconcilier les couples. C'est pour ça, on prévoit 12, 13, 14, faire un séminaire de formation. 12, 13, 14, qui ça? Février. Un séminaire de formation qui bat plus que $250 US.
$50 inscription, $200. De Kabbalah Haïti. Ouais, il y a Kabbalah Haïti et Kabbalah Haïti. Nous avons déjà mis tout le bagage prêt pour moun yo inscrit. Pour moun yo qui veut participer à séminaire février. OK, bandoual dans la rue terrible. Est-ce que n'a fait New York? Est-ce que n'a fait, il y a plusieurs candidats côté candidat pour nous faire. Mais cependant la mondiale puisque c'est live, tout le monde a qu'à suivre. On doit entrer payer PayPal ou payer ou faire toute bagage. Mais priorité jusqu'à présent dans tête moi Haïti même. Parce que yo pral diviser et yo dit que premier côté la pagaille semé c'est entre les coupes. Adam Bokotev n'est pas conscient que gon serpent cap séduit femme là. C'est division. Et il répercute sur petit yo d'abord, yo font ti moun qui degré de fidélité que yo te gagné avant. Et degré de séparation des fidélités hein, qui c'est Caïn et Abel. Cela signifie que est-ce que comportement nous n'est pas impacté tout environnement nous et qu'on y a là le nous dit que nous voulons moun parce que moi est des nèg qui déjoué dans vie par bon divorce. Le nèg s'arrête au déjoué par bon divorce ou vin côté ou longe 3000 4000 dollars ben moins $5000 pour me gérer. Mais pour qui ça ou pas capé en formation pour me guider, pour me dire depuis avant, lors déjà beaucoup divorcé, enfin ça arrive, mais ça vous fait. Mais qui ou l'élite prend le rempli pour me tourner sur yon, manik gado mouri ou vin gotem. C'est ignorant, ignorant, mon peuple paye faute de connaissance. Mon pas t'as besoin, ça, si ou fait prévention. Prévention pas seulement dans le contexte, je comprends, pour maladie, l'idode sentimental, l'idode et tout bagaille. Ça dit que c'est pour ça enseignement là, c'est la connaissance qui libère. Nous besoin mon a fait pour nous tout le temps ou gars à droite ou gars à gauche, m'appeler ou gars qu'on aime bien boler avec eux non, mais il faut libérer les gens parce que Joël chapitre 2 dit que y a pas besoin prêtre et pasteur. Chaque monde bagarre la clic dans tête Dieu de clic dans fait et puis mon y a ouais. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Libérer mon yo ba formation, accompagner yo. C'est ça n'a fait. Et dans ce contexte-là, moi crois que séminaire de formation, 12, week-end 12, 13, 14, février, l'importance capitale. Moi fais déjà. Moun dit satisfaction, des couples qui ensemble. Yo dit comment yo toujours été, m'a trois mots de pouvoir. Le lit a pas merde couple. Amen. Moi m'a pas besoin de bagay. Qui est-ce qui a le pouvoir ça pour le mec de moun yo? Non, mais Lilith gagne parce que depuis le. Adam, tu es créé égal à elle. Même notion, mouvement féministe, il est vite qui à la base. Oui, il est même Adam, qui est auteur. Yeah. Ok. Elle dit que depuis lors, tu es créé, il y a deux créations. On création Genèse 1, on création Genèse 2. La création Genèse 2, il fait égal, il crée même là. Adam monte souvent, il dit Adam, même pas comprendre que il crée même là avant, pour monter souvent, même il a monté sous tout. Le Adam pas d'accord, la jeune Samaël. Et ça, oui, le Satan, le diable. D'ailleurs, Satan, le diable, est deux bagailles qui font seul. Le principe masculin, le principe féminin, Lilith et Samaël. Maintenant, qu'on y a là, le l'adjoint, et puis, il suggère, au moins une question mariage, couple, de pouvoir vivre ensemble, l'énerve, parce que le père d'huile, il y a créé un lot, Eve, qu'on y a, Eve, il y a un, il y a obligé de projeter à dans nos sommeil, puis à le tirer, on va. Parce que chapitre 1 du, il y a été créé eux-mêmes. On y a moun sop. Sop on est qui par contre, moun nan sop. Il y a un kabal, et puis il montre les soi-disant vaudou là. L'abdou, regardez, contradiction. Parce que nèk qui juif là, peuple yo fait affaire là, li ka di moun yo salye. Bon, son nèk qui pas avisé, qui a foué joli, c'est joli pour le faire. C'est pour l'aller dans le pays moun yo, on moun besoin qu'on vaudou par Haïti pour le vini. C'est pour caca foutre parti pour aller dans le pays mounio. Et puis pour rabais, on tigre mon bablon, dit lui, et par contradiction, non, chérie. Il y a tel bagage avant, il y a tel bagage. Il fait mes jolou, papa, souris, mes vaudou, pour parler caca de jolou. Vous tout frappez fort, ma katu. Moi, vous dis, genre, vous mal sonné, oui, pour le public, vous comprenez, ma katu. Mais c'est pour le suspendre, non? Il y a perdu tout le monde.
Il y a perdu trop de monde qui n'ont vérité, qui a fait route. Li. Comme. Je ferai contre, tout le bagage dans le monde. Moi, t'as bon petit bien, mon petit bien, on a tête là. Regarde bien, on a boule. Franchement, je ne sais pas si on a quelque chose à nous. Tu accuses bien, la pibe. Eh bien, d'accord. Moi, je me sens que c'est bien fait, bien là. Oui, ma gâteau. Ok. Non, en fait, si on allait, nous allons commencer à recevoir appel. Oui, là, et Saül. Nous allons commencer à recevoir appel parce que. Et n'a pas rappelé le numéro de téléphone pour participer dans le blocus, c'est 38 47 82 20, 38 47 82 20, et puis 40 33 95 63, 40 33 95 63. Invitez-nous, c'est Marc-Arthur Drouillard, Céline Guinjaudien, comme invité dans le blocus. On va noter l'intervention pour nous. Yeah. On allait et Saül, n'a pas un premier appel. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Baissez le volume là pour nous claquer. Oui. En tout cas, le map pour baisser le volume. Oui, bonsoir, Vierge. On a les amis, on a les. Oui, oui, ma salut, monsieur. Hein? Bon, félicite. Et puis tout, j'ai mis ce parler là, vraiment. C'est pas comme si nous décalons en sorte de respecter, non, mais c'est juste pour monsieur montrer ça que pas bon la caille, non. M'apprécier ça et ouais je dis m'apprécier choua parce que j'ai envie de parler comme si moi mais ça haïtien comme si l'île temps pour nous habituer avec un seul des bagailles pendant on a dit si mon là soit monté dans le son le par exemple vous arrivez sous zozo ou pas les billes zozo là vous arrivez sous coco par exemple vous parlez de ça lui même il va chercher qu'on est pour qui sont ou sauter pour ça. Est-ce que vous comprenez? On m'a apprécié, monsieur Adial, il n'y a pas besoin, ça pas besoin d'inquiéter, parce que moi-même, ça fait plaisir, j'ai une conversation à faire. En tout cas, avec respect, chapeau, bah, vous nous mettez, bon, non. Merci. Merci un peu pour la participation. On a blocus. On a pris un deuxième appel. Ça a eu, on a pris un deuxième appel. 38 47 82 20 40 33 95 63. Deux numéros, ça va permettre tout. Participer dans le blocus. Bonsoir. Baissez le volume. Baissez volume là, pour nos amis. Oui, oui, oui. Et bien, c'est parfaitement. Et ça fait des missions. Sauf que le problème qu'il y a avec une société, même les intervenants de salaire, il n'y a pas qu'à son cas particulier de devenir cas général. Je suis aussi capable d'approcher avec une approche d'une hypothèse qui avance avec elle. Ça est une supposition. Mais on dit souvent que la vérité n'est nulle part ailleurs que dans les preuves. En dehors des preuves, il n'y a pas de vérité. Je suis à dire un bagage, mais pas aucune preuve tangible, preuve palpable, que le professeur Dion. Je suis à dire, il y a un mot, mais avec matière, avec concrète, de manière concrète. Ce n'est pas un bagage abstrait. Et monsieur, nous avons la mythologie, la fête, ça fait de la mythologie, puis tout le de mythologie. Mais pour essayer de comprendre la mythologie, il faut qu'on vive dans la société, dans le coutume, côté que le pays a vivre. Mais monsieur, nous avons la mythologie et la théologie. Et c'est au niveau race, tout. Et pour monsieur, nous sommes capables de venir avec ça autour. Ça va gagner vie au niveau théologique. Au niveau vaudou, j'ai été monsieur Dillon, avec une aventure dans le contexte race et de manière payante, comme je vous ai dit ça autour. Mais nous disons, pas de problème pour ça que le bien, la paille d'Adam, qui est le deuxième Ève qui est créé, et qui est d'Adam, qui est souvent dit de Samaël. Mais ça, c'est de la mythologie pure. Même si ça me donne merci un peu. Merci un peu pour participation dans le blocus. On va continuer ça, il va recevoir l'autre appel. 38 47 82 20. Et 40 33 95 63, on va suivre votre émission de prédilection. Blocus, invitez-nous, c'est et Marc-Arthur Drouillard. On apprend l'autre appel. Et bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, maintenant, de nous avec un peu d'attention. Nous félicitons-nous pour vos émissions. Émission en gros en ville après-midi. Allez, gros en ville. Oui. Et ma frère de mettre là. Nous comptons de souvent à dire nous sommes capables, comme si nous avons des chansons là, qu'il ne pas connaît. Est-ce que nous sommes capables de nous et ou bien le diable comme si non sauf manger tout le monde, ou bien ça va dans cet accueil, alors dans la gaille courante, dans ma foule. Par exemple, des filles qui sont enceintes et puis nous m'a rempli après ça va s'en venir sous nous dit nous ça est le gars où et pourtant nous on va vivre nous dans l'église
dans tout secteur, vous comprenez. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un monde capable de louer ou pour ne pas connaître le louer ou? Réponse immédiate. D'accord, merci. Non, on va mettre noter pour nous. Et d'accord, merci à Pile pour participation dans Blocus. On apprend et nous allons prendre 4 autres appels. Et 37 62 47 95 dans ce numéro WhatsApp, moi, nous avons une question là-dedans. En aller, nous avons mis en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Pierre-Richard. Bonsoir, mon frère. Comment nous sommes? Je pose une question à Marc parce que dans les intérêts, c'est mon pire à dire. Marc, est-ce que Adam a gagné la capacité que l'éternel a fait Bali pour te créer tout? Est-ce que c'est pas lui-même qui crée Ève? Mais il dit, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Très bien. Mm-hmm. Merci. Merci en PL pour participation dans Blocus. Nous étions trois derniers appels, 38, 47, 82, 20, 40, 33, 95, 63. Voici Blocus, votre émission multidimensionnelle qui diffusait, l'on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Nous avons continué à recevoir l'autre appel. Et Saül, nous avons mis en ligne. Bonsoir. 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 Oui, merci. Question que tu as posée, ma couche au début de Pétionville. Question que tu as posée, une question. Des fois, l'année dernière, je regarde dans ce ciel-là. Je regarde souvent pour étoile qui file. Mais souvent, on me dit, c'est moi qui parle de mourir. Merci en pile pour participation dans Blocus. Ces derniers temps, Makatu, notre question, ça m'a une bonne information qui a sorti en l'air. Il y a autant de chevals, il y a autant de trompettes, il y a autant de sons. Vous comprenez, il y a une bonne image. C'est pas ça, Ariel, un bon détail. Notez-le pour nous, s'il vous plaît. On comprend de temps en temps, il y a des informations, il y a des sons, il y a quand suspect même qu'on va arriver à le passer. Et puis des fois tout quand ouais c'est la grande bon couleur rouge de sang, est-ce que ça vous voulez dire c'est un langage ou cas d'écho débat ça pour nous besoin qu'on ait. Et puis après et deux derniers appels Saül, nous étions seulement deux derniers appels et 38 40 47 82 20 nous avons un ami. Bonsoir. Nous pas jeunes amis ça 40 33 95 63 et puis pas oublier et numéro WhatsApp pour vos questions par texte s'il vous plaît pour nous dans WhatsApp hein. 37 62 47 95, c'est texte pour nous voir seulement sous les 37 62 47 95. Donc, on s'en met en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir, Hervé. Bonsoir. Francis, baissez pour nous, s'il vous plaît. Volume la caille. Merci. D'accord. Bonsoir, M. Marcadio. Bonsoir. Oui, moi, vraiment, félicite pour l'émission. Malgré, je suis bloqué. Au moins une fois par semaine. Mais ça va poser des questions, s'il vous plaît. C'est une question que je vais me poser, ou du coup, ça que 2021 a une année extraordinaire. Et puis tout, tu as fait connaître que tout le monde va mourir, que tout le monde va mourir, tout le malade. Je comprends tout ça, c'est extraordinaire. Tout ça fait toutes les prédictions qui va faire une proposition. Et puis, deuxième question qui est importante pour moi, c'est par rapport avec l'astrologie. Moi, c'est jeudi 7 avril 1991 à 10h du matin. Madame, connais, s'il vous plaît, ascendant, décan, degré, et puis tout, maison. Et puis tout, moi, Karine, qui c'est. Cancer, malgré le lien avec cancer, pas trop dans l'affinité, même pas même. Des fois, nous à l'aise, mais des fois, nous sommes bien. Même pas même comment pour nous faire, pour nous décaler au moins tout ça qui est positif entre nous, pour nous unir, pour nous vivre plus bien. Merci en pile. Et alors, on a plein de questions sur WhatsApp en Kounia dans 37 62 47 95. Chaque question, ma capture, nous aurons 2 minutes 45 secondes. On a les pour répondre. Ok. Mm-hmm. Ok. Et ma paix est rentrée dans la première intervention qui n'est pas vraiment en question, mais
monsieur parlait deuxième intervention, hein, il parlait de et ses mythologies. Ça n'a pas dit, hein, et que et nous parler de la Bible de bagaille, ses mythologies, ça n'a pas l'air. Ma pas une petite précision pour monsieur m'a dit que parce que monsieur peut-être qu'a tellement apprécié lire même vaudou, hein. M'a dit que vaudou, hein, et jusqu'à présent pas grand qu'un livre ancien qui est capable de servir de référence, même si c'est tradition, nous, faut monsieur d'accord et reconnaître lui. Et que et c'est ça me toujours dit, yo, sous même mandel qui premier monde qui écrit sous vaudou, on pas connaître. Dans son brain, même là on bagaille ces sentiments d'appartenance ou pas avec sous lui. Faut tenir compte de réalité pour faire modification, changement de fait. Et je comprends. Et quand je me dis, monsieur, je suis capable d'entrer en dans la Bible. Jusqu'à présent, ça m'a fait pour lui. Pendant vos doux, on n'a pas de livre de référence qui parle, en quelle origine, en quel rituel que l'a fait. Parce que je suis capable de faire initié vos doux. Si je me demande de côté Plamara, ça sorti. Ou parce que vous avez un cas de moi. Je suis capable de faire des défis, Plamara, ça symbolise côté le sorti. Non, origine ni dans histoire. Non. Non parcours dans bagaille vaudou. Non, il y a pas capable de ça pral dou. Maintenant, si m'entrer dans la Bible, m'a pouvoir te gain deux marasa. OK? Non, Genèse te gain deux marasa qui fait et que Esaü et Jacob et que mon aron dans l'autre mi talon, dernier en kembe talon et puis grand, il prend place ici, l'acheter doit dîner ici pour plat manger. Nous avons un rituel pour la marasa dans vaudou, quand ils ont dit. Nous avons tant de rituels comme ça, et puis, si vous remontez, vous avez dans la Bible. Maintenant, quand nous avons d'accord, il y a un monde qui dit que vaudou est d'origine dans Kemet, dans l'Égypte. Mais le monde, si vaudou est d'origine dans l'Égypte, dans Kemet, c'est l'île par la Bible pour Yodil Moïse, qui premier bon livre, ça, il a parlé à la base de toute la Bible. C'est en Égypte que l'on a éduqué. C'est Acte 7, verset 30. Moïse était instruit dans toute la sagesse de Kemet. C'est-à-dire que si Moïse était instruit dans toute sagesse de Kemet, pour l'écrire livre ça, et vaudou origine de Kemet, pour qu'il soit divisé vaudou à livre ça. Pour qu'il soit pas cherché contre côté au dévier livre ça. Pour qu'il soit ouvert par livre black. Pour qu'il soit foutu Jésus blanc au lieu de Jésus jade là. J'ai rouge là. Mais hôtel là. Pas oublier l'autre question, Makatsuan. C'est-à-dire que, il y a un monde qui est Kalougaou, il n'y a pas de connaître. Bon, c'est pas grave. Bien, c'est ça, Mabdou, c'est encore ignorance tradition. Ignorance tradition. Parce que nous avons une équipe pratique. Nous qui complice qui connaît Kalougaou, pas connaître. C'est eux qui ont parlé. Nous avons des gens qui ont marché Kalougaou tout le temps. Nous avons une série de pratiques pour ne pas comprendre. Son moment, Kalougaou. Et quand l'autre Jean Kalougaou pas même qu'on comprend conscience de lui, il y a un héritage. En pèlerin, mon la tradition, l'a mouru, il y a la secret. Et son passation, il y a son passage. Mon l'a mouru, il n'y a pas reposé, il faut la jouer dans l'autre monde. Héritage. Ou pas hériter bien, ou pas manger bien, tel qu'il n'y a pas possédé, pour qu'il s'appuie, on ne peut pas avoir le tout. Mais le plus souvent, on prend point, on est obligé au courant de ne pas l'avoir. Connaissance et transmission, tradition, c'est ça la Kabbala. Vodou est consulté ou fait la relève. Dans toute la cour, tu as des gens qui peuvent faire relève. Là. Qui ont connaissance, qui peuvent transmettre tout le monde qui a géré l'autre bagaille. Ou perdu la tradition, ça. Qui menti dans la tête, nous là? Nous avons mensonge dans la tête, nous, nos bagailles. Que les gens qui connaissent, c'est juste pour prendre comme nous. Ils n'ont pas dit, nous, c'est du plein menti là-dedans. Ça passe. Ça passe nous là. Nous avons la couille même gens. Nous perdons pile tradition. Actuellement, on est avec moun pour voir pour moun pour saluer moun sous pas saluer le kamouri. On est après les âmes à lever moun, kidnapper moun, faire ça ou vle. Nous avons même bonjour son paquet de bagages dans la tradition. Nou. Parce que tout mal est arrivé. Ou la donne, chapeau l'air qu'on salte, les gens qui ont dit, pas qu'on sa chapeau l'air. Ça veut dire que on baga nous fait pas être là nous pas connait n'a vinn faire moun la bab et puis moun qui besoin manger comme nous fait mal l'obey tolé a gérer yo connait plein menti dans l'obey yo on aller pour l'autre époque okay? Magasin est-ce que Adam OK est-ce que Adam c'est pas lui créer Eve
Mais monsieur pose une question assez intéressante. Cher de ma chair. Os de mes os. Os de mes os. Monsieur pose une question assez intéressante parce que dans la réalité, le second Adam, Paul dit lui dans 1 Corinthiens 15, le premier homme, Adam, était une âme vivante, le second est devenu un esprit vivifiant. Maintenant, dans l'approche kabbalistique, nous établissons la différence entre Adam Bélial, Paul relait l'homme animal, dans le Nouveau Testament, nous-mêmes les kabbalistes, nous relait l'homme animal, là, Adam Bélial, et puis l'homme spirituel, là, nous relait Adam Kadmon. Ok? C'est-à-dire que l'homme a deux étapes qu'on doit subir. C'est-à-dire, Dieu créa l'homme à son image, son processus en devenir, c'est pas le fait qu'on est humain ou non image, mon Dieu. Faut travailler sur tête ou, faut qualité divine ou exercer ou pour image, mon Dieu. Parce que, dans la réalité, ou pas, ouais, mon Dieu, mais image, mon Dieu, c'est une qualité, comportement, ou à l'onye, ou à développer, ou à goûter, ou à développer, ou à l'image de Dieu. Maintenant, Adam te gagne toute dimension ça, parce que Adam issu d'un paquet de bagages, il quitte la première étape à la deuxième. Dans la deuxième étape, il fait mettre vin devant M. dans le jardin pour M. nommer. Et c'est pendant M. nommé, il dit pas une femme, il y a une nécessité pour une femme. C'est-à-dire que M. son nègre, il vient géniteur de questions femmes. M. son nègre qui provoquait naissance femme. En ce contexte-là, il est le second créateur de la femme. Il faut le mettre second parce qu'il n'est pas le premier. Là, tu as raison. Maintenant, on dit que l'emgade étoile filéo, est-ce que c'est un monde qui peut mourir? On débat de sujet ça. Là, tu as raison, mais ça existe pour les grandes personnes. Monde qui gros ma pour yo, gros bois. Même j'en ai un gars qui a dit, gros ma pour tomber. Eh bien, gros étoile qui filé qui tombe. Eh bien, les grands de la terre, les hommes qui. Parce que. Quand tu travailles, tu fais une mission assez intéressante, assez importante. Et l'objectif, le but de cette mission, c'est de modifier le comportement de l'environnement, de transformer ton environnement. Eh bien, on te reconnaît dans l'invisible et ton étoile lui prend naissance dans le ciel. Maintenant, et toi, ça qui prend naissance, hein, sous ton groupe autorique, moi-même, j'ai un qui prend mourir en Haïti. Moi, ouais, yo, parce que moi, étoile l'a filé et je comprends ça, je l'ai dit. Maintenant, oui, réellement, il y a une étoile qui file, ce n'est pas pour tout le monde, mais les grands. Pour les grands, grands qu'on a tombé, il y a des signes célestes qui déjà prédit grand cap tombé, particulièrement étoile filante, que qui ne sait pas une étoile dans le vrai sens, mais capable d'un météorite ou bien de bagages ouais, mais cependant, symbole ça, il veut dire, il y a un paquet de bagages par rapport à position. Well, non, low well. On prend question sur WhatsApp là, dans 3762 47 95. On a excusé l'autre ami qui a voué message. Malheureusement, on ne peut pas prendre en pile dans message. Zami a dit bonsoir Pierre Richard, Macature. Tu as une information sur ça que tu as privé aux États-Unis. Tu as un chef qui t'a écrit un livre. Moi, tu as un mail qui t'a une information. C'est Gaston, Blémur. On a lu. Ok, je vais dire rapidement. C'est que je t'ai dit que. Et les États-Unis, c'était un grand mystique. Monsieur a dit que les États-Unis l'a fini par un conflit et intérieur et avec un coup d'État. C'est-à-dire un chef qui a perdu le pouvoir, le banan sous pouvoir, il n'a pas voulu accepter et puis il a gagné Goumé et entre eux et Mounio, a eu une guerre civile. Mais c'est des gens que vous suivez, mais vous êtes capable de gérer pour qu'on ait qui date. Par exemple, 20 janvier, M. pourrait mettre tout vin à finaliser pour faire ça. C'est que et mars, même si 6 janvier l'a quitté pour rentrer dans le signe du taureau, mais il va y avoir une conjonction. C'est-à-dire qu'il peut le rapprocher de la planète et Uranus, qui est la planète du changement. Ouais, mars, l'arrivée de nos conjonctions avec une planète, c'est presque toute planète qui fout augmenter par galant et puis l'intensifier avec violence. Maintenant, en face de Mars, il va y avoir la présence de Jupiter et de Saturne. Et dans le signe du Verseau, Verseau c'est la société, c'est-à-dire qu'il y aura un événement, c'est l'interprétation astrologique et kabbalistique, un événement qui va intensifier le conflit social et la tension sociale, et à partir de surtout, on gagne de puissance. Et j'aime dire, est-ce que
monsieur a une dimension de transcendance. Moi pense que ti monsieur establishment yo, parce que ça relève l'establishment états-unien divisé par rapport à ça vous voulez faire ti monsieur Illuminati yo, bon très grande division qui est séparé États-Unis avec la Russie soviétique et l'Union et la Russie soviétique. Il n'y a pas de l'Union soviétique. Maintenant, la grande décision, parce que masse et Illuminati, c'est l'Aldechita, et que et actuellement, il y a un même ici, il y a un gros bagarre qui a fait, et Trump, c'est l'instrument que nous devons servir. Est-ce que Trump a pris conscience pour le transcender? Mais en rapport à son signe, lorsque vous arrivez dans le carré, comme je dis, à partir de 17 ans, et son signe conscient, il concerne carré ça, ce sera difficile pour lui de transcender. D'accord, une minute, okay. Sécurité, pour tout conclure, on a l'autre question, est-ce qu'on a une minute? On a fait ça pour nous, rapidement. Bah, c'est que et 2021, pour qui ça, nous disons une année extraordinaire, a dit, c'était une femme, femme répondue, et pour qui ça nous prête du tour de bagage, soit une année extraordinaire par rapport avec ça représenté, et son brand, et ensemble d'événements comme le ciel à pied, c'est une année décisive par rapport au changement, mais tout changement, gagne transition, toute transition gagne douleur. Les douleurs de l'enfantement, même j'en parle fonds Timoun, avant fait Timoun non gagne douleur, mais l'on fait Timoun encore content. C'est l'année de toute décision. Mm-hmm. Maintenant, et Pierre-Richard dit, on bien, et où t'es posé mon question, Pierre-Richard. Oui, bonne information, des fois, on dit, y a son trompette en l'air. Son trompette et autre. Une bonne image qui parle dans celle-là, celle-là. Il faut dire que c'est vrai que gagne un peu le monde qui parle gagne vision. Mais et qui type de monde est-ce que vous canalisez vision yo, hein? Parce que réellement c'est un rapport au soleil et un rapport avec une énergie spirituelle qui a dégagé, c'est le septième rayonnement. Mm-hmm. Et rayonnement ça prend à l'intensifier parce que il faut dire m'gadou que et énumérer pour vous que le soleil possède six rayonnements, c'est scientifiquement connu. Ultraviolet, on regarde radio galaxie gamma, maga rayon, tout ça. Ce sont des rayons qui viennent qui en provenant du soleil, ils sont au nombre de 6 rayons. Maintenant, même j'ai gain 7 jours création, il y a eu un 7e jour, il doit y avoir un 7e rayonnement qu'on appelle le Saint-Esprit. D'accord. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la projection de ce rayonnement qui peut le faire et puis et au niveau de ce qu'on appelle la glande pinéale, il peut le frapper glande pinéale nous qui est en sommeil de tout temps et ça va réveiller certaines choses. Maintenant les Illuminati se préparent et c'est en fonction de quoi les antennes qui sont au niveau de l'Alaska Arab, il y a propagé au niveau de champs terrestres des bagages qui a bloqué ce rayonnement là et permettre que nous pas ouais. Mm-hmm. Téléphone ou ma capture. C'est bon, 36 64 06 90, 36 64 06 90, 46 10 87 59. Merci en pays, l'invité de Genjou Dian Blocus d'après Pléli, c'est Marcature Drouillard. Et bien avant d'aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui, ce qui est visible ouvre nos regards sur l'invisible, selon Anaxagore. Et puis le connu est fini, l'inconnu infini, ce que nous comprenons n'est qu'un îlot perdu dans l'océan illimité de l'inexplicable, selon Huxley. Et puis c'est l'univers qui doit être interrogé tout d'abord sur l'homme et non l'homme sur l'univers. Et puis expression française nous portait pour aujourd'hui, hein? Au qu'on est dans la vie, l'on fait bruit trop, quand pas trop bon, des fois faut font recul, hein? Et faut retirer des fois souterrain. Yo trop dans panorama. Expression qu'appropriée avec les Sokadi, s'enfermer dans son cocon, ou bien qu'a dit s'isoler ou bien se retirer. Fin de citation. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour te présenter au dynamique quoi non pam. C'est Pierre Richard Guillaume que tout le monde connaît ce nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télestom pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.